Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. No more.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Simu TV pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison 12 du championnat élite. Nous sommes en Chine et pour l'instant, pas de pluie. Et normalement, il ne devrait pas y en avoir d'ici la fin de la soirée, car la pluie est à 60 km du circuit, donc on est plutôt large. Mais j'ai la joie d'avoir une nouvelle fois à mes côtés un certain Hervé Minari. Comment allez-vous, Hervé? Bonjour, ça va? Merci. Merci d'être venu si nombreux ici en Chine pour l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Pas beaucoup d'enjeux pour le titre parce que les titres sont déjà faits, mais pourquoi pas des choses intéressantes en course à vivre. Oui, nous allons voir ça. Nous sommes déjà en Q2. Deux pilotes vont être éliminés d'ici la fin de cette Q2. Et pour 10 pilotes, bien sûr, comme d'habitude. Après, pour la Q3, seulement 12 pilotes. Vous l'aurez donc compris ce soir. Et la chose intéressante, ou pas, c'est que dans la Gazette des temps, à aucun moment on voit un certain Yamamoto. Du coup, c'est Matouf le meilleur temps de la Gazette. À défaut de gagner une course, il sera premier dans la Gazette des temps cette semaine. Il avait signé le meilleur temps pour 80 millième 1990 devant Rallye Master Antarctique et le troisième chrono, un dixième derrière les deux hommes. C'est une Racing Point qui va aller faire ce premier tour chrono. Oui, c'est vert. Et faire que j'arrive sur lui, le voici dans sa Racing Point. Peut-il passer en Q3 comme lors de la dernière course où il y avait peu de pilotes également? Dernière Oh, course dans qui est. 10 minutes. Comment? Ah oui, réponse dans Oh, 10 12 minutes. minutes. 11 minutes, 12 minutes encore dans cette Q2. Donc pas de pluie, on l'a dit. Bon, une course classique sur un circuit classique. Pour éviter de dire atypique. Ah, il s'est loupé. Ah oui, là complètement, regardez. On est en caméra embarquée avec lui. On a vu ce travers juste avant l'escargot de la longue ligne droite. Et du coup, derrière lui, je crois que c'était Yamoto après pour aller chercher un tour. Au même endroit, il ne commet pas d'erreur pour le moment. Le pilote Ferrari, le double champion du monde. Le nouveau champion du monde avec la Scuderia Ferrari. Il a apporté le 7e titre pilote à l'équipe, 8e titre pilote pardon, à l'équipe italienne. Et le 7e titre constructeur cette saison, lors de cette saison 12. Et Yamoto au stand. Rallye Master en secteur 2. Désormais dans le secteur 3, qui est dans cette longue courbe, avant cette fameuse longue ligne droite, bien sortir hein, de cette courbe, hein, pas forcément simple pour pouvoir avoir une grande vitesse de pointe. Et avant lui, c'est Delmas qui signe le meilleur temps provisoire à une 30.710 sur son Alfa Romeo. Au stand de Rallye Master. Ah oui, également. Tour de sortie pour Spark. Tour de sortie pour Jacob. Secteur 1 Delmas, mais il a déjà fait un chrono. Adéo dans le secteur 1. Regardez. Oui? Non, mais rien. Quoi, je regarde pas la carte, c'est ça que vous me dites? Non, mais c'est. Vous regardez pas ce qu'il y a marqué à côté des pseudos. Si vous cherchez un pilote sur un tour, c'est marqué. Il n'y en avait qu'un. Terrible désillusion. On est dessus, ça tombait. C'est le plus titré de l'histoire.
Ah oui, Red Bull qui ne connaît pas encore son package pilote l'année prochaine. Adéo qui pourrait s'arrêter dans deux grands prix. Pourrait mettre une année sabbatique. C'est les news qu'on a eues dans les paddocks. Il pourrait devenir consultant, hein, pour le championnat élite. Il finit son tour en une 33-4. 4, 3 dixièmes de mieux que Delmas. Tommy dans le secteur 2. Sur ça, Williams. Tout qui est sorti en jaune. Tente un coup de poker. J'ai de cœur en 30.2. Mais non, c'est pas un coup de poker, il a passé en jaune. Oui, il a le rythme, le garçon, c'est sûr. Allez, Tommy sur la ligne, quel chrono va-t-il faire sur sa Williams? J'allais dire sa Toyota. Je sais pas pourquoi. 31-0-25, c'est derrière Delmas. On étouffe en 1,29,6. Moto avec ses médiums dans un tour chrono maintenant. Ah, Gaïto, perso Adéo et Delmas, c'est les Schumacher du Fofo. Perdre Adéo, Ouais, c'est comme alors, perdre le roi Yamamoto, Schumi. Incroyable. on va pas commencer à lire le chat. Ah oui, on est sur lui, hein. Il est dans la longue ligne droite, DRS. Très très longue ligne droite, hein. L'une des plus longues du championnat. On se mouille pas trop en disant ça, c'est sûr. Vous savez que Gaëtan fêtera son 100e Grand Prix élite l'année prochaine. L'année prochaine, lors de la dernière course de la saison, pardon. Prochaine course. Et Yamamoto, quatrième temps, une 30.4 avec ses médiums. L'essentiel pour lui dans cette Q2, c'est le top 10. Pour l'instant, l'objectif est atteint. Libre sur la ligne. Et oui, sur la ligne, il arrive, le Finlandais. Quatrième temps. 33-2. Dans le même dixième que Jacob, sur l'AlphaTauri qui est troisième. Magnifique. Avec ce fameux casque de Michael Schumacher. Cette fois champion du monde dans la discipline. Et bonsoir Nico, 27-10. Qui n'ont pas validé son tour. Ouais, dommage. Il restait plus que 5 minutes dans cette séance. Il Troisième va falloir tour en s'appliquer. classique. 30.1. Matou 29.6, meilleur temps devant Spark 29.8. Les deux seuls en dessous de la barre de 1.30. Delmas à nous dans un tour tenté. Rally Monster aussi. Gaëtan dans un tour chrono qui n'a toujours pas de chrono à son actif. Il est pas dans un tour chrono, ouais. Non, 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 tour de sortie.
Allez, Monster, bientôt dans notre chrono. Ah, les Monster en jeune. Qui lance son tour, ça y est. Va-t-il aller pouvoir aller en Q3 avec ses médiums? C'est le deuxième à tenter ce pari. Enfin, du moins, être décalé à la stratégie. Allez, Rally Monster continue sa petite, son petit tour chrono. Va-t-il se hisser dans cette hiérarchie? L'objectif, hein, c'est de ne pas être dans les deux derniers. Et sur la ligne, où va-t-il s'en sortir? Le pilote Racing Point, c'est le 9e temps. C'est le 9e temps. Attention à T34 et Gaëtan derrière, qui peuvent améliorer. Mais qui sont pneus soft. Gaëtan qui est dans le dernier secteur. On va le savoir s'il va pouvoir être devant le Racing Point d'ici quelques instants. Ah, le son des fins est bas. 29,7. Ah oui, Gaëtan, du coup, il se retrouve en deuxième position. Les deux Renault, deux premières places dans cette Q2. Belle performance de la part du Losange. Marco Losange. Où était 34 sur la piste? Tour de sortie, toujours. À 1 minute 53. Il faut aller chercher une qualification. Et il peut sortir son coéquipier. Tout dépend du chrono qu'il va être capable de faire. Bon, allez sur Tommy, du coup. Tommy qui doit aussi tout faire pour passer. Pour l'instant, 31-0. Il a 3 dixièmes du top 10. Rally Monster, Tommy est fait en piste. Tommy, 39 millième de mieux dans le premier secteur. Rally Monster rentre. Ah, Rally Monster qui va peut-être pas passer. Parce que pour Mais bon, pour l'instant, ça passe pour lui car Tommy n'a meilleur que de quelques millièmes. Hein, donc, alors qu'il doit aller chercher 3 dixièmes dans ce tour. C'est pas suffisant pour l'Allemand pour le moment. Ah, 3 dixièmes dans le deuxième secteur pour Tommy. Là, ça par contre, ça peut le faire. Pour aller sortir Rally Monster. C'est important. L'effort qu'il est en train de produire au bord de sa Williams. S'il ne se loupe pas, il va passer. Ah bien. Ouais. Il ne veut pas aller en Q3. Et non, il rentre au stand, effectivement. Il préfère des balles neuves au départ. Il sera donc 11e et T34 où en est-il? Ok, toujours pas de chrono. Il a fait 23 7 dans le premier secteur. Ouais. Dans le temps de Tommy. Le
Va-t-il aller en Q3 et sortir son coéquipier? Difficile de le dire. Dans les virages. Réponse maintenant. Et oui, Et il s'est passé, non? oui, 33, Un oui. cinquième temps! Beau chrono de la part du pilote monégasque. Deuxième Q3 consécutive. Avec la manière. Donc, on le rappelle dans cette Q2, les meilleurs temps des deux Renault qui se tiennent en un dixième. Spark suit avec devant Antoxic et T34. Belle performance dans cette moto. Profiter de la bonne température de la piste en fin de séance pour signer le cinquième temps devant Jacob, Lib, Yamoto, Adeo et Delmas. Les éliminés sont donc Rally Monster et Tommy. Rally Monster qui a tenté les médiums pour passer en Q3, ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait éliminer par, ironie du sort, son coéquipier. Et Tommy qui a choisi volontairement de finalement partir en gomme neuve et le choix des pneumatiques. Entre en stand alors qu'il était en avance sur la 10e place dans sa dernière tentative. Toujours pas. Bon, bah, de toute façon, ça devrait être sec toute la soirée. Hein. Selon la météo Red Bull. Selon les stratèges de chez Red Bull. Et on se fait des politesses entre Deo et T34 en piste. Pour être le premier en piste. Sauf que devant eux, les dieux du monde. C'est Delmas aussi en Q3. Qui sera le premier à faire un tour chrono dans cette séance de Q3. L'avant-dernière Q3 de la saison. Alfa Romeo, feront-ils un bon arrêt au stand tout à l'heure? Aura-t-on les bons pneus du bon pilote? Allez, c'est parti en tout cas dans la qualif de cette Q3. Les derniers vainqueurs ici, c'était William la saison dernière avec la Mercedes qui s'était imposée. William n'est pas là ce soir, donc Mercedes ne gagnera pas une deuxième victoire de suite ici.
est sur la ligne pour ce premier chrono dans ce Q3. C'est une 31.005. Adéo qui me le suit de près. 9.4 entre temps pour Yamoto, meilleur temps. Une 30.3 pour Adéo sur la Red Bull. Et Jacob à son tour sur la ligne. Tenter une en effet, c'est le quatrième temps. En toxique maintenant dans le dernier virage. Il est devant Jacob. Oui, deuxième temps, 29-7. Libéraux sur la ligne. Point 9, quatrième temps derrière son coéquipier de Ferrari devant de Red Bull pour le moment. Parc. 9-7. Gaëtan dans le dernier secteur. Il va attaquer cette longue ligne droite. Et une 30.5 sixième, une 30.0 pardon. 30.0. Sixième temps pour Gaëtan. Spark qui est quatrième était le poleman la saison dernière. C'était une 30 la pole position. Vous voyez qu'on est en une 29 déjà. Ça va plus vite cette année. Dès les qualifications. Gaëtan sixième, ouais, 30.0. On l'a dit. 34 jours sont en sortie qui va bientôt s'élancer. Le seul qui n'a pas de tour chrono actuellement à 5 minutes de la fin de la Q3. Et ben le suspense sera jusqu'au bout. Peut-être nous fera-t-il un 5e chrono au final dans les derniers instants de la Q3. Pourquoi pas le même scénario qu'en Q2. On lui souhaite, on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, comme on dit. Matoufki entre stand aussi. Il n'y a plus que Gaëtan. Et voilà. Tous les bolides sont au stand. On va pouvoir remettre des balles neuves et repartir pour un dernier relais de toute beauté. D'ailleurs, il y a un pilote déjà qui s'élance là-bas. Sans des stands, Jacob, pilote AlphaTauri. Dans ce premier relais, Matoufka réussit à s'intercaler entre les Ferrari. Conservera-t-il cette position après la deuxième tentative? Pour l'instant, est-ce que Jacob peut faire mieux qu'une 9e position?
Yamamoto également dans un tour de sortie, tout comme Adeo Lib Delmasège. Jacob qui lui va lancer son tour. Plus le droit à l'erreur, faut tout donner. On avance de 2 dixièmes quasiment sur le premier secteur pour Jacob. Pour l'instant, ouais, c'est la 7ème place en ligne de mire après la Q1. Il a dû se louper dans son premier tour pour une boule. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Delmas en avance de 40 millièmes dans son premier secteur. Adéo en avance de 4 dixièmes. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Il en retarde de 2 millièmes. Ah oui, c'est beau pareil. Allez, dernier secteur maintenant. Il ne restait plus qu'un virage à Jacob pour tenter d'améliorer sa marque. Il a amélioré depuis une seconde. Oh, mais retour provisoire! Oh. Incroyable, magnifique. Yamamoto qui est en retard au 26 millième dans le premier secteur. Regardez, on avance de 21 millième dans le secteur de... Il en avance de 3 dixièmes. Oh, il y a quelqu'un qui est en travers. Ah non, j'ai rien dit. C'est là qu'on était en caméra intérieure, du coup, quand j'ai changé la vue, du coup, on aurait l'impression qu'il était en travers, mais non, il était dans un virage, tout va bien. 21 millième d'avance pour Adéo dans le deuxième secteur. Delmas 33 8ème, libre 5 dixièmes d'avance à la fin du secteur 2. Adéo sur la ligne, où va-t-il se positionner? Va-t-il pouvoir remonter dans cette 4ème temps? En toxique, 1 dixième d'avance, de secteur 1. Effectivement, Matouf est 1 dixième d'avance, secteur 1. Yamamoto, il va faire la pole. Et voilà, une 29-1 pour Yamamoto. Pour 2 dixièmes. Il a amélioré. Et en toxique, où en est-il? Pose d'un secteur maintenant. On avance encore sur le secteur 1. Il repart sur le tour. En toxique, il en avance 2 dixièmes, secteur 2. Deuxième 7-6-5, c'est la troisième temps pour l'instant, Matouf. Temps qui n'est pas en avance, enfin qui en avance très légèrement, secteur 2. Allez, en toxique, où se retrouve-t-il? Troisième temps, oui, c'est bien le troisième temps. Gaëtan. Matouf, 3 dixièmes de mieux dans le deuxième secteur. Gaëtan, 7ème, qui reste 7ème. Ce serait la deuxième place, il joue à la deuxième place pour l'instant, Matouf, dans son tour chrono. Actuellement face à Spark. Deuxième temps, pardon, face à Jacob. Peut-il récupérer cette deuxième place qu'il avait tout à l'heure? Il faut assurer dans ses derniers hectomètres de ce circuit. Adéo. Gagner peu de place. Ouais, reste 6ème. Voilà, 3 dixième. On va chercher la deuxième place. Et oui, c'est fait. 29-2. 1 dixième sur Jacob. Deuxième place, qu'il a su récupérer, il l'avait, hein, après la première tentative en Q3. Il l'a récupéré en Q2, en fin de Q3. Et Jacob fait un bon tour aussi, pour chercher le troisième temps. Il va y avoir du monde derrière Yamamoto au départ, là. Ça se tire la bourre derrière lui. Parce qu'au final, regardez, 29-1 pour Yamamoto, 29-2 hein, pour Matouf. Hein. Donc sur un tour... Il était pratiquement prenable, le pilote Ferrari.
Après la pole de Mercedes l'année dernière, pole de Ferrari ici en Chine. Le poleman l'année dernière ne s'était pas imposé. Donc, sait-on jamais. Voilà le classement final de cette Q3. Yamato en pole position pour 168 millième d'avance sur Matouf, qui sera à ses côtés sur la première ligne. En deuxième ligne, nous aurons Jacob et Spark. Eh bien, belle deuxième ligne, hein, n'est-ce pas, mon cher Minari? Troisième ligne, nous aurons Antoxic et Adeo. Peut-être des futurs coéquipiers dans le futur. Quatrième ligne, Agaëtan Libero, Renault Red Bull. Et en cinquième ligne, T34 et Delmas. Deux ex-champions du championnat pro. Dixième, le top 18 en 8 dixième et le 9 et 10 au-delà de la seconde. 4 dixièmes, le top 5. Qui pour s'imposer dans cette course en Chine, vous le saurez d'ici quelques instants sur Simu TV évidemment.